Thank you so much for joining us today, and good afternoon. My name is Florence Salmosini. I'm a member of the selection committee for the Director's Fortnight. And I'm very pleased and honored to bring to the stage the director of the film you just saw. I don't know why I just spoke in English. I was supposed to speak in French. Donc, bon après-midi. Je suis ravie de vous voir ici. Mon nom est Florence Salmosini. Je fais partie du comité de sélection de la quinzaine. Et je suis très fière et honorée d'amener sur scène le réalisateur du film que vous venez de voir, Monsieur Philippe Faucon. Bonjour. Bonjour. Je pense que nous avons aussi la joie d'avoir plusieurs acteurs du film qui devraient se lever et nous rejoindre. Théo Scholby est ici. Okay. Aussi Omar Boulakirba et Mohamed Moufak. Bonjour. Vous avez eu la joie de voir le film enfin fini pour la première fois, donc je pense que c'est un moment un peu émotionnel. Oui. It was the first time you had the chance to see the finished film, so for you it must have been pretty emotional. Je vais commencer avec une question pour le réalisateur, Monsieur Philippe Faucon. On voit tout à fait la continuité du travail fait avec vos films précédents. On pense entre autres à La Trahison, hein, qui se déroule aussi pendant la guerre d'Algérie. Et le film est aussi basé sur des écrits assez précis, hein, de Robert Lucas, donc Arkim et Frères de combat, et Ahmed Konepa de Bernard Moinet. Est-ce que vous pouvez parler un peu de l'origine de ce film et de votre envie de donner un rôle proéminent aux Harkis, qui sont finalement toujours peu connus en France? So this is really in the continuation of your previous work. We especially think about the betrayal, which also took place during the Algerian War. And it's also based on several written works. And so what was the starting point for you to give this important role to the Harkis? Alors, l'origine du film... Elle est dans le fait que la guerre d'Algérie, je pense que c'est quelque chose qui a sans doute été quelque chose d'un peu obsédant chez moi. Je suis né pendant cette période de parents qui l'ont vécu et qui ont été très fortement marqués par ce qui s'est passé. So the Algerian War is a sort of an obsessive topic for me because I was born during that time and my parents lived through it and were really struck by it. Et c'est ce qui a fait que c'est une période que j'ai abordée dans un premier film, effectivement, la trahison, et qui déjà, à ce moment-là, évoquait la situation de jeunes Algériens engagés côté français, mais à ce moment-là, il s'agissait d'appeler, pas exactement de Harkis, mais enfin, c'était des gens qui, de fait, étaient dans la même situation. Et à l'occasion de ce film, j'avais fait un certain nombre de rencontres avec des gens qui avaient vécu cette période de tous les côtés, des deux côtés, engagés côté français, en tant qu'appelés, en tant que Harkis, engagés côté algérien. Et j'ai pas forcément utilisé tout ce que j'avais, toutes ces choses que j'avais recueillies. Et il y en a certaines sur lesquelles je me suis dit qu'il faudrait que je revienne. À ce moment. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que ce premier film que j'avais fait, ça ne m'a pas lâché complètement. J'ai fait d'autres films ensuite, mais c'est quand même quelque chose qui restait et sur lequel je suis revenu.
Et donc, voilà. Le scénario a pris forme au cours de plusieurs périodes. Et à un moment, en effet, il s'est appuyé sur ce récit de Robert Lucas, qui avait été responsable d'une arca. Mais c'est pas une adaptation au sens du terme, c'est-à-dire que c'est devenu quelque chose qui a servi de point d'appui et puis qui s'est élargi à une situation plus générale. Voilà. Bon, tout ça s'est développé au cours de séances d'écriture avec Samir Bagnala, Yasmina Nini-Faucon, et puis pour arriver au scénario qui a permis le film. Je vais juste traduire. Yes, I had tackled this issue of Algerian war in the betrayal with some young Algerians who were called to arms. They were not specifically Harkis, though. But at that time, I had encountered a lot of people who had lived this war on all sides of it. And I felt like I hadn't used all the material that I had back then. And I wanted to get back to this topic. It stayed with me for many years, even after finishing the film. So the screenplay was written over several periods of time, based on Robert Lucas' work, because he had been an officer for a Harka himself. But it's not a literal adaptation. It's just a starting point, and then it became wider. And me and my co-writers wrote around it to make it wider. Comme nous avons la chance d'avoir les comédiens et que pourtant nous avons encore beaucoup de choses à discuter, mais j'ai envie de vous faire entrer dans la conversation parce que dans le travail de Monsieur Faucon, les rôles sont très forts. Donc il fait souvent travailler soit des non-professionnels ou soit des acteurs en début de carrière. Et aussi les rôles sont peut-être écrits, mais ils sont sur la scène, en tout cas, courts, concis. Et il faut faire exister un personnage avec peu de scènes, et souvent peu de dialogues. Et je pense que ça peut être un défi hein, pour un acteur d'habiter, d'incarner de tels personnages. Alors, est-ce que vous voulez, chacun à votre tour, un peu expliquer comment vous avez réussi à construire le personnage et à rentrer dans le film avec le travail de Monsieur Faucon? Your roles are very powerful in the film. Usually, Philippe Faucon likes to work with non-actors or beginner actors. The roles that are written are quite concise. There are very few lines. So it's interesting to know how you embodied those characters, made them come to life. Bonjour. Moi, j'ai fait l'étude de scénario, ça fait 2 mois avant le tournage. J'ai bien étudié le personnage de Sihmed. J'ai mis des caractères pour le personnage. J'ai adoré. j'ai même à l'hôtel, enfin, à la fin du tournage, j'ai resté avec cette personnalité de Sihmed. Voilà. Pendant presque 2 mois de tournage au Maroc. C'était super. Voilà, j'ai adoré. So I did a training in a script writing before the shoot. So I studied my character a lot got out some really strong characteristics from him. And I stayed with this character even after the shoot for a long time with the seriousness of this character. And the shoot lasted for 2 months. It was in Morocco and I really loved it. Bonjour. Merci d'être venu. Merci pour le public. J'ai bien aimé le personnage, le scénario, parce que c'est une histoire, c'est pas une guerre, c'est une histoire humaine. J'ai aimé le personnage de Salah. C'est un personnage, c'est un travail d'intérieur. Il y a pas trop de texte ou trop de dialogue, mais c'est un travail d'intérieur. Bon, c'est ça. Merci beaucoup. I really love the character of Salah, and I love this film also because it's beyond a war story, it's a human story. And I like that this character is really living things from the inside, expressing things from the inside. He has little lines, a few lines.
Bonjour. Je crois que Philippe n'avait pas du tout envie qu'on répète trop les personnages, du tout. Il voulait qu'on gomme tous les tics d'acteurs. Et il avait bien raison. On s'est retrouvés dans la chambre d'hôtel quand même les soirs pour un peu faire des lectures. Mais on est allé piocher au fond de l'histoire. C'était aussi l'anniversaire Arki quand on a tourné. Et du coup, on s'est laissé porter. On n'a pas tant que ça répété du texte. Mais je pense qu'on s'est fait bouffer de l'intérieur par l'histoire. Et on s'est fait lisser guidé par le capitaine. Voilà. Je peux dire un mot là-dessus? I think Philippe didn't want our parts or our acting to be too rehearsed. He didn't want any actor things. So we did some read-throughs during the night at the hotel, but we just let ourselves get carried into our characters. They ate us from the inside, and we let ourselves be led by the captain. Oui, ce que je voulais dire, c'est que précisément. Concernant ces personnages, cette histoire, c'est-à-dire une histoire d'hommes pris dans la guerre, repliés sur eux-mêmes, avec des choses qu'ils ne communiquent pas, qu'ils ne disent pas, qu'ils rentrent, qu'ils taisent. C'est beaucoup un film sur une parole qui est tue. Donc, effectivement, ce sont des personnages qui sont dans des situations extrêmes, fortes, mais qui doivent les composer avec peu de traits, peu de choses exprimées. Moi, j'ai pour principe, en général, effectivement, d'éviter de surcharger les comédiens d'indications, de ne pas leur donner trop d'indications, pour faire appel à leur ressenti, à leur créativité, à leur sensibilité, à leur façon de justement ressentir les choses, quelquefois à leur insu, sans que ça soit trop travaillé, composé, mais de façon plus instinctive. C'est davantage ce que je recherche. Et donc, effectivement, c'est à partir de ça qu'on a tenté d'approcher les personnages. Puis Ala disait, un comédien, c'est pas un cheval de course à qui on tape dessus en lui disant « c'est comme ci, c'est comme ça, fais ci, fais ça ». Donc, c'est comme ça qu'on a essayé de procéder. Et je pense que ça a donné effectivement des moments très, très, très beaux, très forts, qui sont venus d'eux. Pour moi, il y a plein d'exemples dans le film. Il y a par exemple la séquence où le personnage de Si Ahmed, Omar, apprend le maniement d'un fusil au personnage de Mohamed, qui est joué par Mohamed, au personnage de Salah. Et en fait, cette scène, c'est davantage que l'explication du maniement d'un fusil. Il y a quelque chose dans sa façon de s'adresser au personnage de Salah. Pour moi, quelque chose qui passe comme s'il s'adressait à quelqu'un dont il sait le mal-être sans doute qu'il a d'être là, enfin les interrogations qu'il peut avoir, etc. Il y a quelque chose comme un père s'adresserait à quelqu'un dont il sait qu'il y a un problème, avec qui il y a un problème. Et tout ça, c'est ce qui fait, je pense, autant la scène que ce qui est dit simplement par le dialogue. Il y a souvent un arrière-plan au dialogue. J'ai juste traduit une seconde. Oui. C'est moi. So this story is about, yes, it is indeed about men caught up in a war, and they are really folded within themselves, and there are a lot of things for them that are unsaid, and so they had to compose their character with little material. I didn't want to give them too many indications. I wanted them to let their creativity and sensitivity take the lead, even sometimes instinctively without them realizing it.
And we drew from that because actors are not a racehorse that you train. And it gave some powerful moments that really came from them, like this scene where Sy Ahmed trains to shoot with a rifle. And we see that Salah, he's learning. And so we see that it's more than the way that he addresses Salah is we can feel the unease and he knows what he's going through inside. And so it's like a father talking to his child. Voilà, donc on peut... sur votre travail, donc, qui est quand même aussi avec un style vraiment concis et efficace, hein, parce que c'est, le film est fait de beaucoup de vignettes assez puissantes. Je pense que ça vient quand même aussi, je ne sais pas, peut-être du tournage, mais certainement du montage, hein, pour garder ce rythme, ce manque de fioriture qui va directement au cœur du conflit et des scènes. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de votre méthode de travail sur, par rapport à ce que vous filmez et ensuite ce que vous montez pour qu'on puisse voir le film? Your style is very concise and efficient, and maybe it comes also from the editing stage to have this sort of pared down film in the end. Alors... Humbert Balzan, qui a produit mes premiers films, disait « Un film, c'est une équation économico-artistique. » Et ici, pour la partie économique, en effet, c'est un film qui s'est tourné avec un temps de tournage très compté. Et donc, il y avait une nécessité de questionner la nécessité de chaque élément du récit. C'est-à-dire, il y a eu un choix très sélectif des plans et des séquences à tourner. Et ce qui permet effectivement de travailler l'épure, la concision et la nécessité réelle de chaque moment du récit. Ça, c'est pour la partie économique. Et pour la partie artistique, en effet, il y a, à propos de cette histoire, qui est une histoire qui a quand même une très forte dimension dramatique, moi, il me semblait qu'il fallait aller vers des moyens de récit sans recherche d'effet. C'est-à-dire, effectivement... ne pas aller vers de la surcharge, du pathos, de l'émotion forcée. Il y a des moments d'émotion dans le film, de mon point de vue, mais c'est une émotion justement qui vient d'un rapport, je pense, très juste des comédiens à leurs personnages, sans que jamais les choses ne soient forcées ou qu'on les fabrique ou qu'on les travaille. Donc voilà, je pense que c'est le parti pris de l'écriture qui est déjà intervenu au moment du travail d'écriture, du scénario, mais au moment du travail d'écriture, on avait des envies, des ambitions qui se sont réduites par le fait de l'économie dans laquelle s'est fait le film, et donc voilà, tout ça a opéré. The producer of my first films used to say that making a film is an economic / artistic equation. And so for the economic part, we had very little time to shoot. So we needed to question each element of the narrative to figure out if it was indeed necessary, and so we did a very exacting selection of what was really needed. That's why we needed that concision, and we went towards that concision. And for the artistic part, there is a lot of drama in the film, but I didn't want it to be shown through some effects. I didn't want to overload with forced emotion or pathos. It has to come from what the actors make us feel for real. It has to feel right and not fabricated. So that was in the writing stage from the beginning. But also we had some ambitions when we were writing that had to be reduced for economical reasons.
Je vais poser la dernière question avant d'ouvrir au public. Je pense que les conditions de tournage au Maroc ont été assez éprouvantes, alors peut-être pour vous, mais aussi pour les acteurs. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots? Can you tell us about the difficult conditions of shooting in Morocco? Bizarrement, il faisait pas si chaud, c'est ce qu'on se dit à l'écran. Non, on était lourdement couverts. On avait les uniformes, plus des fois les burnous, mais il y avait beaucoup de vent. Dans les conditions, c'était super. Ouais. Nous, on a pris la claque de notre vie, donc bon, c'était 15 heures par jour, mais c'était intense. Et je sais pas comment vraiment décrire. It was really not that hot in the end. It was though very windy. We had some very heavy clothing and equipment on, and it was very intense, sometimes 15 hours a day, but we had the time of our lives. Les conditions, c'était vraiment super. Surtout, on avait Philippe derrière nous. On était comme une famille. On n'avait pas l'idée dans la tête qu'on travaille, on va partir, non. On s'est bien aimé entre nous. Voilà. On a trop pleuré la dernière journée, voilà. C'est ça. It was really a great shoot, especially having Philippe behind us the whole time. It felt like a family, and it didn't feel like just going to work. We all cried a lot during the last day. C'est une belle expérience. On a passé des bons moments ensemble. On était une famille. Donc, avec Philippe et l'équipe, même les comédiens marocains. Tous les acteurs et l'équipe technique, c'était bien. Well, we had some good times together, also with the Moroccan actors and the whole crew. Les conditions de préparation du film et de recherche de casting ont été très compliquées, parce que ça s'est fait en période de Covid, donc au Maroc, dans un pays dont les frontières se fermaient, se rouvraient, avec des couvre-feux, avec des comédiens qui venaient d'Algérie, un pays où les frontières étaient également fermées. Donc, tout ça a été soumis à des incertitudes constantes, c'est-à-dire jusqu'au début du tournage, on ne savait pas si les véhicules qui venaient de France arriveraient, si les armes qui avaient été louées en France arriveraient, si les costumes arriveraient, si les comédiens qui venaient d'Algérie arriveraient. Ça a été vraiment quelque chose de pas simple. Et donc, ça m'a valu quelques arrêts cardiaques. Mais une fois le tournage lancé, les choses restaient compliquées. Mais effectivement, le film a été porté par les comédiens, par l'équipe marocaine, qui a été extraordinaire, qui a été formidable, mais aussi les équipes belges et françaises. Et donc, on est arrivé au bout. Voilà, bon, c'est un film, je crois, qui a été vraiment, vraiment porté malgré les difficultés qu'il a rencontrées. Well, the prepping was a very tough stage, and the casting process, because we had to cast during COVID in Morocco, whose borders were closing and there were curfews as well. And also we had actors that were coming from Algeria. So we had constant uncertainties about, until the shooting began, if the weapons that were coming from France and the costumes would be delivered in time. So I had a few heart attacks, but once it started, we got carried by the actors, by the fantastic Moroccan, Belgian and French crews that we had. And so everything was really lifted by those people. Vous avez eu des petites crises cardiaques, moi les comédiens étaient très contents. Hein. C'est le principal. Your actors seem very, very happy though. Nous avons le temps pour une question du public. Alors, il y a quelqu'un ici, et je pense qu'il y a un... Y a-t-il des microphones ou pas? Oui, bonjour. Ah oui, vous l'avez. Allô? Oui.
Je voulais savoir, dans votre casting, vous parliez d'acteurs algériens. Est-ce que vous avez eu besoin d'acteurs algériens pour avoir l'authenticité du jeu ? Vous auriez pu recruter au Maroc ? So why did you choose to have Algerian actors? Was it in terms of authenticity? Non, pour moi, il était évident que ce film devait être joué par des comédiens algériens. C'était l'idée de départ. Et donc, on a commencé un casting en Algérie qui n'a pas été toujours simple à faire pour les raisons que j'ai évoquées. Et les recherches ont été faites là-bas par une agence de casting qui s'appelle Vaujou et qui a été formidable, qui est l'agence de Omar et de Mohamed. Et puis, il y a eu un moment où, effectivement, on n'était pas sûr du tout que ce travail qui avait été commencé en Algérie, on pourrait le récupérer pour le film, parce que il y a un moment où on n'était pas sûr que les comédiens puissent sortir d'Algérie et venir au Maroc. Donc on a doublé ce casting au Maroc et en France, et pour les recherches qui ont été menées au Maroc, on les a menées dans une région frontalière de l'Algérie qui est la région d'Oujda, où je suis né, et où, en effet, les gens ont un langage et un accent qui est proche de l'algérien de l'Ouest. Et au final, j'ai pu avoir les quatre comédiens algériens. J'espérais en avoir plus, mais il a fallu restreindre là aussi les choix et les envies. J'ai pu avoir les quatre comédiens algériens auxquels je tenais le plus. Et puis on a complété avec des comédiens marocains, mais qui sont aussi pour moi extraordinaires de présence dans le film et à l'écran. Yes, the idea from the beginning was to have Algerian actors in the film, but as I said, the casting process when we started in Algeria was really not simple. We had really tough conditions. But the research was made by an agency called Vaujou, where Omar and Mohamed are from. So I wasn't sure that the casting process that we had started in Algeria would be able to go through because the borders were closing. So we also did some casting in France and in Morocco. In Morocco, it was in the border region, the region that is at the border with Algeria, where I was born, and where the language and the accents are close to what is spoken in Western Algeria. So I ended up getting the four Algerian actors I wanted to have the most, and for the rest of the cast, we had some Moroccan actors who are just as fantastic. Merci beaucoup. Hélas, nous avons une question. D'accord, très bien. Alors, la dernière question. Le microphone arrive. Thank you so much. Merci beaucoup pour ce très très beau film. Très émouvant et très très bien mené de la façon dont vous avez expliqué. Un grand merci, mais j'ai deux questions. La première, toute simple, est-ce que vous auriez lu par hasard le premier livre qui était sorti sur le sujet de François Doumain, qui avait obtenu un prix qui s'appelait Comptoir du Sud ? Et la deuxième question, c'est la plus importante, vous avez parlé d'un casting fait en Algérie, mais maintenant, ce serait extrêmement utile que ce film puisse être vu en Algérie, car en Algérie, on comprendrait la complexité de la situation des familles de harkis. Quand elles reviennent, elles sont parfois ostracisées encore ou elles n'ont tout simplement pas le droit de rentrer. Donc ce serait très important que ce film puisse continuer son chemin et qu'il soit vu également en Algérie. Et nous sommes très heureux de voir qu'il sort en France 60 ans après cette date où ils ont été abandonnés de cette façon par la France et par le gouvernement français de l'époque. Merci. So a quick question: did you read the book Comptoir du Sud? And then also, it would really be important that this film could be seen in Algeria to understand the complexity of the situations. So will it be shown, and will the film travel eventually? Je réponds. Ah oui. Alors non, Je n'ai pas lu le livre que vous avez cité. J'ai lu beaucoup de livres sur ce sujet, mais pas celui-là. Moi, je serais
prêt à aller montrer ce film en Algérie et à le présenter là-bas et en parler. Je pense que, évidemment, c'est une question qui reste sensible. Elle est aussi, utilisée, détournée, manipulée. Mais je pense que en Algérie, à mon avis, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont capable de voir un film comme celui-là, qui sans doute là-bas sera perçu comme un film, un point de vue de l'autre côté, mais qui pourra susciter de la parole. Enfin, je ne sais pas, peut-être que ça se fera, on verra. No, I haven't read this particular book, although I've read many of them for research and in general. And yes, I'm more than willing to show and present the film in Algeria. It is still a sensitive issue and sometimes manipulated issue. But I think lots of people in Algeria are ready to see this film now. Maybe they will see it, consider it as a point of view of the other side, but still it would start a conversation which already would be really great. Merci beaucoup d'avoir partagé le film, votre parole, et merci d'être venu.